Vous regardez RTL. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Dick Rivers. Hello Michel Yeh. Oui, Yeh aussi Dick. Alors en tant que niçois d'origine. Oui, Yeh, comme la salade. Et ma devise c'est oh niçois qui mal y pense, Yeh. Ah ouais, c'est beau. Alors je disais donc, en tant que niçois Dick, vous devez vous intéresser à la course Paris-Nice qui va s'achever dimanche. Yeh, je suis un fan de Paris-Nice, histoire de montrer que moi aussi, je suis toujours dans la course, Yeh. Et vous savez, j'aime tout ce qui rock'n'roule. D'ailleurs, oui. Dès aujourd'hui, je vais intégrer la caravane de ce Paris-Nice. Vous allez... Oui, c'est bien dit. Vous allez l'intégrer à moto ou en auto, Rivers? Attention, Michel, faut pas trop me charrier, parce que comme je l'ai chanté en 1996 dans mon album Authentique, je le dis à toi, comme je le dis au chauffeur du poids lourd de la caravane du Paris-Nice, roule pas sur le reverse, roule pas sur le reverse. Ok, d'accord, Dick. Dites-moi juste si vous serez présent lors de la dernière étape qui passe sur Cagnes-sur-Mer, Dick. Excusez-moi. Ah, je suis surtout à l'arrivée sur la promenade des Anglais, qui n'est plus ce qu'elle était. Là, je vous sens amer. Oui, je... Si t'avais connu la Nice des Anges à moitié nue, les voitures de sport sur les avenues, oui. Tu regretterais tout ça. Retrouvons un grand observateur de la France profonde, Jean-Pierre Pernaut. Direction Montquignon-le-Racy, dans le Berry terreux, où le maire du village, Jacques Chiasson, a mis au point un service de covoiturage original qu'il a baptisé Blablachar. L'idée est simple et conviviale, les voyageurs s'assoient et bavardent sur une plateforme tirée par un bouc à gros cul. Oui, Jean-Pierre. Par un bouc à gros cul du Berry. Clin d'œil aux géants californiens des réseaux sociaux. Une bien belle initiative qui permet aussi aux 7 habitants du village de se passer d'essence pour se rendre à l'épicerie buvette de la mère Pognard. Ah bah, bien sûr. La mère Pognard. Ah, mais veux que ce soit généralisable, toute cette histoire, d'autant que selon certains, le mouvement pourrait se durcir encore. C'est aussi votre avis, Jean-Pierre? Une question délicate, ma petite Jade, car comme le dit le proverbe de Plougastel, si on savait à quelle heure ouvre la préfecture, on y déverserait du purin. Alors, puisqu'on n'en sait rien, direction encore nos régions, où une autre grève menace, celle des décolleurs d'oreilles. Un métier ancestral qui consiste à décoller les oreilles des petits-enfants pour leur permettre plus tard de bien enfoncer leur béret sur la tête. Et bien là aussi, la colère gronde, car figurez-vous que la ministre de la Santé menace de ne plus rembourser désormais le décollage artisanal d'oreilles. Un conflit qui pourrait se durcir, car le syndicat des écarteurs de dents et celui des descendeurs de coudes menacent de rejoindre le mouvement de colère. Merci beaucoup Jean-Pierre pour ce tour d'horizon des conflits sociaux en cours. Un tour d'horizon qui ne serait pas complet sans la grogne qui monte chez les boulangers en camionnette qui menacent de ne plus klaxonner durant leur tournée. On leur supprime la prime de gnôle. Oh bah merci Jean-Pierre. Les lettres d'amour secrètes de François Mitterrand à sa maîtresse, rendues publiques par Gallimard, constituent un matériau précieux pour les historiens et les amateurs de romance. Aujourd'hui, nous révélons un courrier inédit, daté de décembre 84. Mon âne, mon ânette, mon ananas. Le ciel de décembre est gris et le poids de ma fonction harassant. Mais ça y est, nous voilà débarrassés des communistes. Ils sont tous partis du nouveau gouvernement Fabius. Bon débarras. Avec leurs cravates en velours et leurs costumes Manu France en tergale, on se serait cru en Roumanie chez les Ceausescu. Désormais, on va pouvoir fermer la sidérurgie en Lorraine. Chouette. Mais au fait, est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je te l'ai déjà écrit. Mes grands travaux me donnent bien du souci. La Villette, la Grande Arche, le Louvre, l'Opéra Bastille. C'est à peine si j'ai le temps de faire un petit collage de temps en temps dans mes appartements privés entre deux rendez-vous. Ah, ces collages. Puis, c'est tellement difficile de trouver de bons artisans. Et tu connais les architectes, tous des médiocres sans ambition. Ils ont saboté mon projet
de très grande bibliothèque Anne Pinjot. Je leur avais demandé de nous faire un petit nid d'amour avec vue sur la Seine, au sommet des quatre tours en forme de livre. Ils refusent ces andouilles. Et je dois me battre à chaque conseil des ministres avec tous ces rabat-joie qui n'ont que les mots économie et rigueur à la bouche. On dirait que c'est leur argent. L'autre jour, je suis allé voir les travaux de l'Opéra Bastille. Pour la façade, j'ai choisi le même carrelage blanc que celui de notre salle de bain. Dans notre petit hôtel à Belle-Île. Comme ça, quand tu passes devant, tu penseras à moi. Mais fais attention, elle se détache. Elle se détache chaque langue. On a même pris une sur le pied. Ça m'a bien fait rire. J'ai emmené notre petite Mazarine pour la visite du chantier. Quelle joie de la revoir. Ses incisives ont beaucoup poussé depuis l'été dernier. Elle est toujours aussi énigmatique et souveraine. Et tellement facétieuse. Dans les vestiaires, elle a mis les crottes de Baltique dans les bottes de Maître Kiegemann. Et de la confiture dans le casque de Georgina Dufoy. Quelle rigolade! Je suis dans l'avion du glam qui me ramène des Antilles. J'ai rapporté du rhum au bois bandé. Tu verras, c'est très efficace. Je l'ai déjà essayé en faisant un collage. Je te laisse avec ce petit poème qui résume mes premières impressions sur la Guadeloupe. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux. Un spectacle permanent. C'est comme dans les... Comme dans les... Comme dans les... Comme dans... Comme dans... Comme dans les... Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. C'est comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des poissons tropicaux, plein de piquants sur le dos. Oh, 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 comme dans les tableaux du douanier Rousseau.